Dans le fond, ce que je partage, c'est vraiment le fruit de recherches, de choses que moi, j'ai appris durant mon propre journey. Et ce n'est pas un avis médical aucunement. Donc, tenez-le pour dit. YouTube Lee Great, où est-ce que je partage hebdomadairement mon journey avec le traitement de venin d'abeille pour traiter Lyme et les co-infections, et où est-ce que je partage tout plein de petits trucs, astuces pour mieux vivre au quotidien. Je partage aussi beaucoup sur ma foi, qui est un outil qui m'aide énormément à passer au travers de cette lutte-là. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite tout de suite à aller cliquer abonner sur ma chaîne et t'assurer d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand je vais poster une nouvelle vidéo. Donc, aujourd'hui, je vous parle des essentiels pour démarrer le traitement de venin d'abeille, tout comme je fais depuis maintenant 9 mois. Si vous n'êtes pas encore au courant, je tenais à spécifier que j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle Traiter Lyme par le venin d'abeille. C'est un groupe où est-ce qu'on partage, dans le fond, sur le protocole de Madame Élie Lobel, qui a créé un groupe elle-même il y a maintenant quelques années, qui s'appelle Bivenom Therapy for Lyme Disease, où est-ce qu'elle a partagé son protocole, le protocole que je suis. Le protocole, comme vous comprendrez, est en anglais parce qu'elle vient des États-Unis. Et puis, moi, ben, je me suis affairée à le traduire en français pour les gens qui étaient intéressés, parce que j'ai vu à quel point que ici au Québec, puis même en France, un peu partout à travers le monde, c'est un traitement encore très peu connu. Si c'est un traitement qui pourrait t'intéresser, dû au fait que principalement c'est super abordable, que c'est vraiment pas compliqué, aussi ben que évidemment les bénéfices sont incroyables, que c'est naturel, que ça aide à réparer tout le système plutôt que le détruire comme les antibiotiques le feraient. Exemple, comme vous le savez sans doute, les antibiotiques détruisent non seulement les mauvaises bactéries, mais aussi les bonnes bactéries, et aussi ça affecte tout le système, tous les organes vitaux sont touchés par les antibiotiques. Puis moi, quand j'ai commencé le traitement contre Lyme, c'était certain que j'allais pas aller vers cette avenue-là parce que ça me tentait pas de détruire mon système plus que c'est le cas présentement. Puis moi, personnellement, quand j'ai essayé de faire des antibiotiques, ça a été un désastre. Je souffrais le martyr. C'était vraiment comme une chimiothérapie là dans mon système. Fait que je me suis toujours plus intéressée vers les traitements naturels. Avant de faire Bivenom Therapy, je faisais un traitement d'herbe médicinale qui m'a énormément aidée, mais qui, à un moment donné, m'a amenée à un plateau. Puis là, j'avais l'impression que je progressais plus. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de regarder pour d'autres alternatives. Et ça a vraiment pas pris de temps quand j'ai rencontré ce traitement-là. Ça a pris pas même 2 jours pour finalement réaliser à quel point il y avait quelque chose de spécial dans ce traitement-là qu'il fallait absolument que j'essaye. Et c'est ce que j'ai fait. Donc en février, j'ai commencé le traitement, le protocole de Madame Élie Lobel. Et puis maintenant, je peux témoigner de bienfaits incroyables, entre autres là, une augmentation de mon niveau d'énergie, la clarté dans mon cerveau, plus de brain fog pratiquement. Maintenant, mes hormones sont régulées. Je suis aussi en train d'arrêter les médicaments pour dormir que je prends depuis maintenant 13 ans. Je sais que c'est dû aux substances qu'on retrouve dans le venin qui tendent à justement équilibrer tout dans notre système. Donc, je me dois absolument de le partager à d'autres. Je tiens à préciser aussi qu'il y a 3 questions essentielles à répondre pour se voir accepter sa demande pour le groupe, parce que c'est ça, c'est très technique, donc c'est des questions sécuritaires. Puis aussi, ben, il y a une question qui est très importante, puis je tiens à en parler, c'est que je demande à tout le monde d'adhérer au groupe mère qui est Bivenom Therapy for Lyme Disease, tout simplement parce que c'est vraiment une mine d'or, et en utilisant Google Traduction, c'est souvent possible d'aller trouver nos réponses quand même. Toutes les réponses à toutes les questions sont sur ce groupe-là. Donc, moi, je suis là pour vous supporter en français.
français, mais c'est vraiment important pour moi que vous adhériez à ce groupe-là. Aussi, ben avant de commencer, je tiens à faire un disclaimer, donc comme vous le comprendrez, c'est encore un traitement expérimental. Donc oui, il existe quelques petites recherches qui nous prouvent qu'il y a une substance dans le venin d'abeille qui s'appelle mylitine qui attaque les bactéries de Lyme, donc Borrelia. Donc ça, ça a été prouvé in vitro, mais on n'a pas encore de recherche in vivo. Donc c'est encore un traitement expérimental. Toutefois, il y a tout plein de témoignages de personnes qui, comme moi, vivent des grands changements, vivent des grandes amélioration qui peuvent prouver dans le fond l'efficacité du traitement. Mais c'est ça, je veux que tout le monde comprenne que c'est quand on décide de faire ce traitement-là, c'est une décision qu'on prend nous-mêmes. On acquiesce au fait de prendre les risques parce que c'est un traitement qui peut être excessivement dangereux, même mortel, si c'est pas fait sécuritairement, si on est allergique au venin d'abeille, évidemment. Donc, vous comprendrez que c'est super important qu'on suive le protocole quand on fait ce traitement-là. En aucun cas, on devrait prendre mes expériences, mes opinions, etc. comme l'avis d'un professionnel de la santé ou une apithérapiste professionnelle. Je suis vraiment juste quelqu'un qui expérimente le protocole puis qui a des bénéfices, puis dans le fond ce que je partage c'est vraiment le fruit de recherches, de choses que moi j'ai appris durant mon propre journey, et ce n'est pas un avis médical aucunement, donc tenez-le pour dit. Et sur ce, sans plus tarder, je vous montre les essentiels que vous avez besoin. Vous allez voir, c'est vraiment pas tant compliqué. On n'a pas besoin de médicaments à pu finir, puis de matériel à pu finir. Vraiment, là, pour commencer le traitement, je vous dirais, ici au Canada, là, on a besoin d'investir gros maximum 250 à 300 $, je dirais, pour démarrer. Et après, pour soutenir le protocole, ça doit coûter environ 35 $ par deux semaines, je dirais, mais peut-être un petit peu plus si on compte la vitamine C. Donc, c'est vraiment un traitement très abordable si on compare à tous les autres traitements qui nous est offert quand on a la maladie de Lyme. Vous ne pouvez pas commencer un traitement de venin d'abeille si vous n'avez pas d'épipène qui n'est pas périmé et fonctionnel. Donc, c'est super important que... Première des choses, si vous voulez commencer le traitement, première des choses à quoi vous devez penser, vous procurer, c'est un épipène. Que ce soit avec une prescription avec le médecin, ou je crois que vous pouvez vous la procurer sans prescription à la pharmacie ici au Québec, mais je suis pas certaine à 100%. C'est vraiment super essentiel d'avoir un épipène qui va être votre arme si quelque chose ne se passe pas comme on le veut. Mais évidemment, on va souhaiter que ça ne soit pas le cas puis que vous n'ayez pas besoin de vous en servir. Je tiens à rassurer les gens, il y a généralement à peu près 1% de la population qui sont réellement allergiques au venin d'abeille. Une réaction allergique en soi, anaphylactique, dangereuse, mortelle, et celle où est-ce que vos voies respiratoires vont se bloquer. Et tout ça arrive très rapidement. Donc, c'est pourquoi que c'est super important d'être prêt quand on fait le traitement en tout temps, même quand que vous êtes rendu loin dans le traitement. Là. Moi, personnellement, ça fait 9 mois que je le fais. Mais à toutes les fois que je fais un traitement, je sors mon épipène, je le mets à côté de moi, je prends mon téléphone, je mets à côté de moi. S'il y a quelque chose, je suis prête à réagir et j'ai évidemment aussi mon Benadryl. Donc, si on n'est pas certain, on a comme l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe, puis là, on prend la moitié de notre bouteille de Benadryl qui est du Benadryl sans alcool. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'aussitôt qu'on sent des petits symptômes arriver qui nous inquiètent, on prend la moitié de notre bouteille de Benadryl, mais tout ça, faut que ça se fasse hyper rapidement. La moitié de notre bouteille de Benadryl, puis on attend 30 à 45 secondes. Si on voit aucun changement, ça fait que rempirer, on utilise l'épipène sans tarder et puis on appelle les secours. Je conseille fortement de ne pas faire ce traitement-là la première fois toute seule. Le testing, le fameux testing que vous allez voir dans le protocole, il faut le faire
avec quelqu'un qui va être là pour réagir. C'est vraiment ne pas apprendre à la légère. Maintenant, une fois que vous avez les essentiels, il faut se procurer aussi 10 paires de petites pinces comme ça, qui sont des reverse tweezers, donc des pinces reversées, qui vont, dans le fond, nous aider à positionner les abeilles puis à les préparer. Donc, 10 parce que le dosage recommandé par Ellie est 10 piqûres parce que c'est ce nombre-là qui a été reconnu comme étant efficace pour traiter la bactérie. Et on a besoin d'une paire de longues pinces qui va servir à aller chercher les abeilles dans la ruche. Donc, c'est juste vraiment plus pratique d'y aller avec des longues pinces. Moi, j'utilise une petite tasse comme ça, mais il existe des petits racks aussi pour préparer nos abeilles. Fait que dans le fond, l'affaire est que c'est préférable d'avoir 10 pinces, mais vous pouvez en avoir juste une, mettons, si vous êtes un peu wild, puis que ça ne dérange pas trop de souffrir. On s'assure aussi de se procurer de la vitamine C. Ça, c'est un des gros essentiels, c'est de prendre 3000 mg de vitamine C à tous les jours, même qu'on conseille de commencer 2 semaines avant de commencer le traitement pour s'assurer d'aller supporter les glandes surrénales parce que dans le fond, ils vont travailler encore plus fort avec le venin d'abeille et la vitamine C fait vraiment bien ce travail-là. Donc, on prend 1000 mg le matin, 1000 mg le midi et 1000 mg le soir. Puis, c'est 3 fois par jour et on prend de la vitamine C naturelle de qualité. Aussi, une qu'on conseille beaucoup, c'est le Camu Camu. C'est un super aliment, dans le fond, qui contient énormément de vitamine C et qui est super bien absorbé par le système. Le liposomal est aussi très bien. On a besoin de des probiotiques. Toute Limi se doit d'avoir des probiotiques, sûrement que vous en prenez déjà. Si c'est pas le cas, courez vite vous acheter des probiotiques parce que vos intestins, votre système digestif a besoin de ça, de le soutenir. Vous allez avoir besoin aussi de 30 mg de magnésium. Personnellement, j'ai essayé plusieurs sortes. Je préfère le magnésium biglycinate. C'est celui-là que je trouve qui est le mieux assimilé par mon système puis qui me fait le plus de bien. 3000 mg, c'est un essentiel à avoir. Puis là, je vais vous montrer les probiotiques que je prends. Ceux-là, c'est vraiment un jackpot. Sincèrement, si vous êtes capable de trouver ça, c'est vraiment, vraiment des bons probiotiques. À part ça, vous allez avoir besoin des abeilles. Vous avez cette merveilleuse petite pizza hut ici et cette petite maison-là, moi je l'ai eue des États-Unis, dans le fond quand j'ai commencé le traitement, mais on a eu la chance d'avoir quelqu'un dans le groupe qui s'est porté volontaire pour construire nos propres petites ruches pour la francophonie, donc ici au Canada, au Québec. Pour les gens en France, au pire, on va vous en envoyer si vous en avez besoin. Elles sont tellement bien construites puis tellement pratiques. C'est juste que ça rend le journey des abeilles beaucoup plus agréable. Moi, au départ, quand j'ai commencé le traitement, j'avais mes abeilles dans un pot maçon. Puis c'est vraiment, vraiment pas favorable pour leur santé, puis etc. J'avais un gros taux de mortalité dans mes abeilles. C'est vraiment pas adéquat, ça peut dépanner, surtout quand on commence avec des trous sur le dessus, aller s'assurer de mettre du miel dedans. Mais ça, c'est vraiment, vraiment l'idéal. Notre petite maison, elle s'appelle Bee Healing Home. Puis celle-là, ça s'appelle une Biza Hut. Puis sinon, ben vous pouvez toujours aussi contacter David Sayer qui a créé ces Biza Hut-là. Mais dans le fond, notre Bee Healing Home est pas mal... Ben, en fait, est pareil, là. Fait que peu importe où ce que vous la procurez, et aussi vous pouvez même vous la faire vous-même à la maison. En plus, on a eu l'idée d'aller mettre un pot de miel directement avec des trous sur le dessus. Et là, ils ont comme constamment du miel qui coule dans la ruche. Puis depuis qu'on fait ça, là, aucune abeille est décédée parce que des fois, il manquait de nourriture. C'est super important de les nourrir à tous les jours avec du miel.
tout simplement du miel biologique, organique, préférablement d'un apiculteur près de chez vous. Là, c'est super important d'avoir une bonne qualité de miel. Mais c'est ça, c'est une petite merveille, puis c'est très facile avec cette maison-là d'aller chercher les abeilles avec les longues pinces, ce qui sera le sujet probablement d'une autre vidéo. Je vous conseille aussi de vous acheter du thé kinésiologique qui va tout simplement vous aider dans votre phase où est-ce que vous allez avoir les histamines dans le tapis, parce que quand on commence le traitement, ça pique pas généralement les premières fois parce que votre système immunitaire n'est pas encore assez réveillé. Mais quand il finit par se réveiller, après 3 ou 4 semaines, vous allez commencer à avoir des réactions histaminiques. Ça va vous gratter vraiment, vraiment beaucoup sur le site de vos piqûres. Chose qui est une bonne chose. En fait, ça montre que votre système immunitaire se réveille. On a le goût de s'arracher le dos. Et il n'y a pratiquement rien qui apaise. Mais personnellement, ça m'a sauvé la vie. On met des bandelettes de chaque côté sur nos piqûres. La pression, ça aide à apaiser. Moi aussi, une autre chose qui m'aidait beaucoup, c'était quand que quelqu'un me pesait directement vraiment fort sur les piqûres. Ça aide à apaiser. Mais c'est vraiment pas conseillé de gratter. Plus que vous allez gratter, vous le savez sans doute, plus que ça va piquer. Donc, c'est les essentiels, aussi de la glace dans le pire des cas, mais c'est pas recommandé parce que ça va restreindre le voyage dans le fond du venin. Le plus possible, le tape, sinon la glace dans le pire des cas. Mais voilà, je pense que vous avez maintenant tous les essentiels. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de marquer un commentaire ou quoi que ce soit, ça va me faire plaisir de répondre. Sur ce, je vous dis à plus!